bonne, avec toujours la même lacune, de ne pas avoir été efficace, ou sinon on peut mettre 3-4 buts. Ça ressemble au match de Tejned, avec la seule différence, c'est qu'on a réussi à marquer. Mais notre souci, il est toujours là. Vous avez bien vu le nombre d'occasions de buts qu'on s'est créées, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Mais vous savez, gagner 3 fois de fil à domicile, c'est pas évident. Moi, ce que j'ai vu, c'est en face de moi une très bonne équipe, qui en tous les cas ne voulait pas rester à cette place-là. Mais l'USMA a été supérieur ce soir. Vous l'avez trouvé, vous êtes fort. Et en plus, il a marqué. On a parlé de tactique, on a parlé de beaucoup de choses. Mais personne ne s'attendait à ce que Méziane joue. C'est ça la surprise. Vous l'avez deviné, hein. Si je crois un but à 0 à domicile, vous ne pensez pas que c'est pas suffisant de marquer un but et gérer la suite de la partie? On n'a rien géré du tout, jeune homme. On n'a pas concrétisé les 5-6 occasions qu'on a eues. On n'a rien géré du tout. Mais bon, les occasions, on ne les a pas mises au fond, c'est tout. Tous les problèmes. Il y a un manque d'efficacité. Aujourd'hui, je suis leader avec Kemsiou, avec Kemsiou. Fait plaisir. Pardon ? Eh ben voilà, vous avez un bon entraîneur. Hein ? C'est les circonstances de la situation. Mais je vous dis, vous venez de faire 4 matchs sans encaisser un but, vous gagnez 3 matchs, vous faites match nul à Tejned, vous partez avec des regrets, parce que vous devez marquer. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez vu qu'on les a asphyxiés sur la fin, on a gardé le ballon. Ils n'arrivaient plus à... Si ce n'était pas du jeu long, ils n'arrivaient plus à jouer. Et nous, on avait toujours cette volonté d'aller de l'avant, on l'a bien vu. Non, moi je dois féliciter les joueurs parce qu'on a fait un grand match contre une équipe très vaillante, une équipe qui était blessée, qui n'a pas voulu abandonner le navire comme ça. Malheureusement, l'USMA a été plus fort ce soir, c'est tout. Je vous remercie, messieurs, dames. Et à deuxième mi-temps, ça a payé, on a marqué, malgré les occasions loupées. Alhamdoulilah, ce qu'on va retenir, c'est la victoire aujourd'hui. Oui, c'est les consignes. Et après, c'est lui et moi aussi, instinctivement, dans le match, on permutait pour déstabiliser la défense. Alhamdoulilah, ça a marché. J'espère que ça va continuer, Inch'Allah. Vous n'arrivez toujours pas à marquer, ça vous inquiète pas trop? Non, ça va venir, Inch'Allah. Bien sûr, je suis frustré, j'ai pas marqué. Mais ça va arriver, Inch'Allah. J'espère le prochain match. Merci.